Hey! Ça va, man? Ça va, toi? Ouais, ça va super bien. Hey, c'est encore moi qui est là un peu pour aiguiller cette année. Ben là, c'est des entrevues, là, donc ben c'est ça. C'est le fun. Ouais, c'est cool. Elle, Marie-Ève, elle joue dans l'équipe canadienne. Mm-hmm. Ben c'est ça, elle joue pas dans l'équipe québécoise. Fait que peut-être parler du fait que, pas souverainiste. Coupe du monde, c'est supposé être rassembleur. Hein, ouais, ça va être rassembleur, mais juste un peu, tu sais, de... Ça poudrait de controverse. Juste un peu. Juste pour refaire une pause, il nous nomme. Je vais y penser. J'ai le grand plaisir d'être rejoint par Marie-Ève Noe, ex-internationale canadienne, pour mettre la table en... À vous? Oui, toi. À chum de fille? Yes. Yes. Le Canada, Marie-Ève, est dans un groupe avec le Cameroun, la Nouvelle-Zélande et les Pays-Bas. Mm-hmm. L'équipe à battre là-dedans, si le Canada veut passer au prochain tour, c'est Je pense que l'équipe à battre, par exemple, dans le tournoi, ça va être l'équipe qui va se rendre en finale. Comment ça fonctionne, un tournoi, c'est deux équipes qui s'affrontent, paf, gagnant, mettons. Le gang, pouf, palais, finale. Fait que moi, je pense que c'est cette équipe-là qui va être à battre. Okay. Attends, je sais pas, je suis clair, ce sera pas long. Équipe, mettons, gang, elle s'en va ici. Gang, con, elle ici. Équipe à battre. L'équipe à battre, si on doit en choisir une pour passer au prochain tour, c'est laquelle? Moi, je te dirais que c'est les Pays-Bas. C'est elles qui ont remporté l'Euro il y a 2 ans. Donc, vraiment l'équipe à surveiller de ce côté-là. Mais ça dépend s'ils gagnent. Les Québécoises à surveiller en ce moment, Marie-Ève, toi, ben tu là, connais... Là, Olivier, c'est une joueuse de soccer, c'est pas une détective. Là. Les Québécoises à surveiller, elle sait pas, là, elle travaille pas pour le SPVM. D'après moi, c'est Carla Molka. Je te dirais que Gabrielle Carle, qui est une étoile montante là, du côté québécois. J'ai rêvé l'autre jour une invention, c'est une poubelle que tu peux brancher dans le mur. Mais après ça, je réfléchis, je me dis, c'est pas nécessairement une bonne invention, parce que tout ce que ça fait, c'est faire chauffer tes vidanges. Marie-Ève, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Ça a été super apprécié. Puis évidemment, ben, on te souhaite un super bon tournoi. Hey, je veux dire, Olivier, il y a une dernière question que tu as oublié de dire. Vous avez fait partie de la sélection nationale féminine constituée uniquement de femmes. Aucun homme. Elle est où, la parité?